Le sujet des seniors, pour moi, c'est un sujet de souveraineté économique, c'est-à-dire que dans la période que l'on traverse aujourd'hui de vieillissement de la population, les viviers disponibles, et notamment les seniors, sont une force pour notre pays, donc ça serait dommage de s'en priver. AXA se mobilise en faveur des collaborateurs de 50 ans et plus. Avec notre programme L'Audace n'a pas d'âge, c'est véritablement un coup de projecteur sur tous les stéréotypes liés à l'âge qu'il faut que l'ensemble de la société, mais évidemment dans l'entreprise, chacun d'entre nous déconstruise pour aller plus loin, pour définitivement faire évoluer ce sujet de société auquel nous croyons profondément. Aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience à peu près de tous les partenaires sociaux, de l'État, des DRH, des recruteurs dans l'entreprise, qu'il faut faire bouger les lignes. Et on est encore beaucoup souvent sur l'état du déclaratif. Maintenant, il faut passer aux actes. Pour ça, il y a une panoplie d'à peu près 20 dispositifs qu'on peut utiliser pour les seniors. Maintenant, il faut faire une différence très forte entre le maintien dans l'emploi et le fait de retrouver un emploi. Au niveau de l'entreprise, il y a un gros sujet sur la transformation des mentalités, changer le regard des recruteurs, changer le regard de tout le monde. On a fait des premiers pas qui sont tout à fait positifs et maintenant, il faut acter, il faut transformer tout ça en actes. L'enjeu des seniors, pour nous, c'est trois solutions à apporter aux entreprises. La première, c'est de former les générations qui vont arriver sur le marché du travail à travers la formation initiale ou l'alternance sur l'intergénérationnel et l'enjeu de travailler ensemble avec les seniors. La deuxième solution, c'est bien sûr à travers la formation continue. Ce sont les entreprises qui nous sollicitent pour accompagner leur public RH et managérial autour de l'enjeu des seniors. Et enfin, c'est la reconversion à travers des programmes diplômants ou l'insertion inclusion avec les demandeurs d'emploi que nous accompagnons vers leur futur métier.